Abyssus abyssum invocat, car oui, nous savons parler latin chez Biscotte, mais malgré le discours pénétrant de cette langue morte qui a rejoint elle aussi l'abîme de l'oubli, nous n'allons pas parler d'abîme des profondeurs, mais bien entendu d'abyss. Rien ne pourrait prévoir ce qui s'y cache, et j'ose croire que nous aurons assez d'oxygène pour nous y plonger avec amertume. Il y a peu de jeux qui s'intéressent de près aux abysses en tant que tels. Elles sont souvent un décor pour le mystère et l'angoisse, un lieu que les joueurs ne pourront explorer que sous certaines conditions, dans un cadre précis. Ce qui décale le jeu d'avec ce lieu inédit est encore le problème de l'amphibie. Dans la plupart des jeux, personne ne respire dans l'eau assez longtemps pour toucher le sable froid des profondeurs. Aussi, je souhaiterais m'y pencher un peu plus afin d'étudier les moyens de l'utiliser en jeu de rôle. Tout d'abord, l'abysse peut être suggérée à travers l'apparition d'entités terrifiantes qui hantent les eaux noires. Un sentiment ébahissant de petitesse va alors toucher vos joueurs. De Dagon qui sort des eaux putrides aux Kraken venus pour détruire les bateaux, ces habitants des profondeurs ne montent que très rarement et pourraient très bien nous envoyer par le fond. Mais pourquoi ne pas chercher à explorer grâce à des nouvelles technologies ? Un tas de sous-marins et de cloches à air pourraient être utilisés par les aventuriers de tout poil. L'occasion pour jouer encore plus avec les nerfs de vos joueurs dans un huis clos où l'iode se mêle à l'odeur féroce du sang. Je conclurai en parlant d'une toute autre abîme, celle de l'âme humaine. Car il n'est pas automatiquement nécessaire de plonger physiquement au cœur des eaux pour y trouver l'horreur et l'angoisse. Parfois l'homme lui-même sait se mettre assez de pression pour mal supporter le monde qui l'entoure. Il sera de votre ressort d'en user à bon escient pour que le tableau de l'âme humaine puisse délicatement se dessiner en toile de fond de vos histoires. Rien de tel que l'abyss pour parler, justement, d'abyss, un jeu que tu dois connaître tant il a fait son trou dans les étagères de toutes les boutiques de jeux du monde. Abyss est un jeu de réflexion politique où tu devras positionner tes ressources pour obtenir de précieuses perles. Peut-être te mèneront-elles sur le trône ou finiras-tu empâté pour monstre marin. Mais au-delà du jeu, ce sont les illustrations de Xavier Colette qui nous font plonger sous les nageoires des baleines dans des tons de vert, gris et bleu avec des écailles étranges. Bien sûr, tu dois savourer le paradoxe de parler d'illustration dans un podcast, et c'est pour cela que je te conseille d'approfondir tes recherches sur Internet pour écumer le portfolio du dessinateur. Et il y a de quoi faire, je te prie de me croire. Pourquoi ne pas prendre directement les illustrations des habitants des mers pour créer ta propre histoire sous-marine et adapter le fameux jeu de plateau dans un jeu de rôle politico-subaquatique ? Et si tu n'en as pas assez, tu peux également te régaler en feuilletant Abyss Universe qui regroupe en physique les illustrations du jeu. Alors pas d'excuses, en route. Tu avais deviné ? C'était la bande-son de The Abyss qui tournait en fond du quiz de l'épisode précédent. Et maintenant, avec le changement d'heure, j'ai presque failli oublier de régler ma montre. Ce n'est pas une erreur monumentale, me direz-vous, mais pour moi, c'est surtout une question de motivation. C'est reparti pour les nuits noires et des fois on aimerait bien rester sous la couette. Le prochain épisode nous permet de ne pas culpabiliser et Juliette nous le chante. J'ai encore le temps pour écrire ma lettre. Je m'y mets bientôt, dès ce soir peut-être. Une lettre d'amour, c'est très important. C'est toujours du cœur dont la vie dépend. J'ai encore le temps de trouver les mots pour en dire assez sans en dire trop. Car avant que nos sentiments ne changent, j'ai encore le temps pour l'appeler mon ange. Comment ces aveux seront-ils reçus ? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de les mettre dans le grand néant de la boîte aux lettres. J'attendrai donc demain qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mes lendemains qui durent mes voeux sans condition, j'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour faire ma chanson, je m'y mets demain.
De toute façon, le temps qu'il faudra pour qu'elle vous parvienne, son propos sera l'histoire ancienne. Parler d'aujourd'hui demande prudence, faut déprogrammer les obsolescences, futur antérieur, passé dépassé, j'ai encore le temps.